Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ce temps de prière où nous voulons prier contre les batailles de la vie. Où nous voulons dire que les batailles de la vie, les combats de la vie ne vont pas t'avaler. Les combats de la vie ne vont pas t'enterrer. La guerre de la vie ne va pas t'enterrer. Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 33 au verset 18, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Peut-être que, bien-aimé, tu passes par des moments difficiles, mais tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'être dans la prière. Parce que Dieu est fidèle. Parce qu'il ne change pas. Et parce qu'il est celui qui soutient ses enfants. Son amour est indéfectible. Son amour est incommensurable. Et il ne permettra pas que les batailles de la vie puissent engloutir. Prions le Seigneur. Alléluia. Connecte-toi dans cette prière avec moi. Crois que le Seigneur va te relever. Crois que le Seigneur, qui est le Rédempteur, va se lever le dernier dans ta situation, dans ton problème, là où tu es en train de souffrir, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, je te remercie. Merci de me relever quand je tombe, dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour ton soutien et ton amour pour moi, au nom puissant de Jésus. Oh, merci, mon Père qui est dans les cieux, pour ton soutien chaque jour à mon égard. Je te loue, mon Dieu. Je te célèbre, mon Dieu, car tu réponds à mes prières. Dans le nom de Jésus. Je te célèbre, ô Dieu, car tu vois tout. Tu sais tout. Tu es puissant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-moi tout domaine où j'ai été paresseux dans la prière. Pardonne-moi tout domaine où j'ai été négligent, paresseux dans la prière. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, afin que mes yeux puissent s'ouvrir spirituellement à ce qui se passe réellement dans ma vie. Seigneur éternel, pose tes mains de pardon sur ma vie, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aux autres qui m'ont offensé, au nom de Jésus. Je me couvre maintenant du sang de Jésus pour me défendre au moment du combat. Au nom puissant de Jésus. Je bois le sang de Jésus pour purger tout dépôt satanique dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, parle pour moi. Là où je suis faible, au nom puissant de Jésus. Esprit Saint, dynamise-moi
dans le domaine de la paresse dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, relève-moi dans le domaine de la prière, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi d'un nouveau feu dans le domaine de la prière, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, dépose en moi l'esprit de sainteté. Que les combats de la vie ne polluent pas ma foi, au nom de Jésus. Dépose sur moi l'esprit de foi, pour que les combats de la vie ne me fassent pas décourager, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, dépose sur moi l'esprit de la crainte de l'Éternel, pour que les combats de la vie ne me fasse pas abandonner la foi, au nom puissant de Jésus. Toute bataille qui se lève la nuit pour enterrer mon destin, dispersez-vous maintenant, au nom puissant de Jésus. Toute bataille qui se lève le matin pour enterrer ma destinée, dispersez-vous maintenant par le feu, au nom puissant de Jésus. Toute bataille qui se lève le midi pour enterrer ma vie, soyez foudroyés par le feu au nom puissant de Jésus. Chaque flèche qui vole le jour contre ma destinée, je te réduis au silence au nom puissant de Jésus. Chaque flèche tirée contre ma destinée, je déclare que tu te retournes contre ton envoyeur au nom puissant de Jésus. Chaque flèche tirée contre ma maison retourne maintenant contre l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Chaque flèche tirée contre ma famille retourne maintenant contre l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Toute flèche tirée contre mon destin retourne maintenant à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Toute flèche maléfique tirée contre ma santé retourne maintenant à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Toute flèche façonnée dans les cimetières pour enterrer ma vie, je t'ordonne de te dissoudre par le feu au nom puissant de Jésus. Tout envoûtement façonné sous les eaux pour envoûter ma vie, je t'ordonne de te disperser et d'être brûlé par le feu au nom puissant de Jésus. Que chaque bataille qui m'entoure se disperse maintenant par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque bataille qui entoure ma vie, qui entoure ma maison, qui entoure ma famille, chaque bataille qui essaye de m'enfermer, se disperse maintenant au nom puissant de Jésus. Toi, bataille venant des ténèbres, toi, combat venant du monde de la sorcellerie, pour me faire abandonner la foi. Toi, bataille venant du monde de la sorcellerie, pour me faire abandonner la foi, je t'ordonne de te disperser maintenant dans le nom puissant de Jésus. Toute main des ténèbres assignée à voler mon étoile, séchez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute main des ténèbres assignée pour voler mon étoile, je vous ordonne de sécher maintenant au nom puissant de Jésus. Toute jambe des ténèbres envoyée pour courir après moi, je vous ordonne de sécher maintenant par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant, par l'autorité que j'ai reçue du Seigneur Jésus, j'ordonne à toute caméra des ténèbres, à tout appareil photo des ténèbres, à toute jumelle des ténèbres, d'être dispersée maintenant, d'être taillée en pièces dans le nom puissant de Jésus-Christ.
toutes les terreurs de la nuit organisées pour mettre ma vie sens dessus, dessous, dispersez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les peurs du puits de l'enfer contre ma vie, je vous ordonne de vous disperser dans le nom puissant de Jésus. Toutes les peurs du puits de la sorcellerie contre ma destinée, je vous ordonne d'être foudroyé par le feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Les puissances qui se cachent dans l'obscurité pour chercher à tuer ma vie, mourez maintenant au nom de Jésus. Les puissances qui se cachent dans les ténèbres pour chercher à enterrer ma vie, je vous ordonne de mourir maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous les fléaux de l'enfer contre ma vie, expirez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les fléaux de l'enfer contre ma maison, expirez maintenant au nom puissant de Jésus. Tous les fléaux des eaux contre ma destinée, expirez maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel me délivre de l'emprise de la mort, au nom puissant de Jésus. Je déclare avec force, je déclare avec foi, je déclare avec détermination, avec zèle, dans le nom de Jésus, que l'Éternel me délivre de l'emprise de la mort, au nom puissant de Jésus. Oh, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi, car le Saint-Esprit est avec moi, car le bon berger est avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes mes bénédictions qui ont été volées, toutes mes bénédictions qui ont été cachées, je vous ordonne de revenir à moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes mes bénédictions, toutes mes grâces, ma santé qui a été volée, qui a été enterrée, je vous ordonne maintenant de revenir à moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi. Soutiens ma cause. Parce que le Seigneur est mon bouclier, je ne crains aucun ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est ma forteresse, je ne crains aucun mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est mon médecin personnel, je ne crains aucune maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est mon coach personnel, je ne crains pas le lendemain. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta gloire me couvre tout autour. Au nom de Jésus. Que ta gloire me couvre comme un manteau. Que ta gloire me couvre comme un vêtement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les combats de la vie envoyés contre moi pour me faire céder, pour me faire tomber, pour me faire ramener dans le monde, je vous réprime au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Tout ce qui m'appartient, qui a été volé, qui a été aspiré par les aspirateurs de l'enfer, je vous ordonne maintenant de revenir à moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ma santé revient à moi au nom de Jésus. Mon argent revient à moi au nom puissant de Jésus. Mes finances revenez à moi au nom puissant de Jésus. Mes finances revenez à moi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les mauvaises prophéties prononcées contre ma destinée dans le puits de l'enfer, depuis le monde des ténèbres, soit maintenant détruit au nom puissant de Jésus. Que la méchanceté des méchants contre ma vie retourne contre eux au nom puissant de Jésus. Que la méchanceté des hommes méchants, des femmes méchantes contre ma vie retourne contre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne et je déclare dans le nom de Jésus que je suis plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la grâce m'environne
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je reçois les bénédictions du ciel. Je déclare qu'aucune puissance ne bloque ma bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'oppose à ma vie, tout ce qui s'oppose à ma destinée, tout ce qui s'oppose à ma famille, lâchez prise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'oppose à mon avancement, tout ce qui s'oppose à mon travail, lâchez prise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car je reçois ta bénédiction. Merci Seigneur, car tu me donnes la victoire. Merci Seigneur, car tu es mon rédempteur et tu te lèves le dernier. Merci Seigneur, car tu me rends au double comme tu l'as fait dans la vie de Job, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car tu es fidèle et ta fidélité est un bouclier pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, pour ma destinée, pour mon âme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute la magnificence. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.